separa a nosotros dos. Nos confunde, nos aleja. En otro mundo estaré siempre a tu lado, pero ahora no puedo estar cerca de ti. Ayúdame a soñar, yo podré. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo crash test. Et un peu chit chat make-up, c'est un peu compliqué à dire. Parce que j'ai pas mal de nouveautés. J'ai un fond de teint, j'ai un blush, j'ai un mascara, j'ai des palettes, j'ai des rouges à lèvres. Enfin, j'ai plein de choses à tester avec vous. Je voulais le faire avec vous. Au départ, je voulais juste faire le fond de teint. Et au final, j'ai plein de choses à tester. Donc, je vais tester maintenant. Donc c'est parti avec la vidéo. Donc oui, le ridicule ne tue pas. Voilà. Si vous demandez mon bandeau, il vient de se priver. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc je vais Je vais nettoyer ma peau avec le micellaire. Que voilà, j'ai hydraté ce matin. Là, il est 11h30. Donc je ne vais pas remettre de la crème. C'est un peu rare. Je vais enlever mon blush. J'avais mis pareil ce matin. Je devais vous la filmer ce matin, hein, mais je me suis réveillée trop tard et du coup je n'ai pas pu vous la filmer. Donc voilà, j'ai enlevé mon blush. Donc première chose que je vais tester, je vais pas mettre de base pour pas fauter le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est celui-là. Donc c'est le nouveau, c'est le de chez Nils, on en a énormément parlé. Moi je voulais vraiment le tester parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, sachant que c'est un fond de teint assez recouvrant. Donc c'est le Can't Stop, Won't Stop, Full Coverage, fond de teint recouvrant. Moi j'ai pris la deuxième teinte, qui est la teinte porcelain, parce que je me voyais mal utiliser la teinte pâle. J'ai la peau claire mais pas tant que ça non plus, donc je pense que la teinte porcelaine ira très bien. J'ai même l'impression qu'elle sera un peu trop claire, donc je sais pas. Donc je vais le c'est, par contre quand je l'ai reçu, j'avais le bouchon complètement comme ça quoi. Donc je pense que si vous voulez voyager, je pense pas que ce soit un bon système de voyage avec ça, parce que ça peut être un peu voilà. Donc la texture est assez, elle est pas hyper épaisse. Je la pensais plus épaisse que ça, donc ça va hein. Donc je vais mettre mon beauty blender que j'ai évidemment mouillé. Par contre je vous avoue que j'ai un peu peur que ah ouais, ça a l'air hyper clair. Bon, déjà, il se tombe quand même pas mal. Je pense que je vais faire un côté beauty blender et un côté. Je ne sais pas parler aujourd'hui. Un côté avec le pinceau. Mais pour le moment, alors, je vois pas où va aller vraiment la grosse couvrance, parce que pour moi c'est plutôt pas mal. Donc je suis contente parce que j'avais un peu peur que ce soit trop épais, etc. Parce que moi j'aime pas le fond de teint épais. La couleur est plutôt pas mal. Elle matche plutôt bien. Donc je suis assez contente parce que vous avez vu, j'avais un peu peur. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est un peu rosé. Enfin, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, ils se font hyper bien dans la peau. J'ai l'air d'un cadavre. Franchement, par contre, il va falloir beaucoup plus qu'une teinte, je pense. Enfin, du moins j'ai l'impression.
Pour le moment, j'aime plutôt bien. Il n'est pas plâtreux. Moi, c'est ce que j'aime absolument pas dans un fond de teint. C'est que ce soit genre plâtre. Donc, moi, j'aime absolument pas. J'avais testé celui de The Body Shop. Alors, c'est un mat. Mais alors, j'ai absolument pas du tout aimé. Il m'a marqué toutes mes zones au niveau du nez. Moi qui ai le nez hyper sec, hyper rouge, c'était un désastre. En plus, le truc c'est que je le sentais beaucoup, ça m'a pratiquement caché mes cernes. Il était pas non plus hyper couvrant, mais j'ai pas du tout aimé le résultat. Que là je le trouve hyper hyper joli, je pourrais presque ne pas le poudrer tellement il est hyper... du moins pour le moment je le trouve joli. Je vais faire le reste avec mon pinceau préféré pour le teint, qui est ouais, j'aime moins. Déjà, ouais, j'aime beaucoup moins. Je sais pas si vous... Quelque chose, j'aime beaucoup moins. Ouais, j'aime pas du tout au pinceau. Ça marque beaucoup plus les zones que j'aime pas. Franchement, utiliser avec le Beauty Blender, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel. Même si on s'entend bien, c'est du fond de teint, hein, donc l'effet naturel, on y repassera. Mais j'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que faut en mettre un peu beaucoup sur certains endroits par rapport à un autre fond de teint. Je sais que moi j'utilise beaucoup le Healthy Mix de Bourjois et j'en ai besoin d'une teinte, voire deux maximum. Mais là c'est la quatrième teinte, la quatrième pompe, oh punaise. Aujourd'hui c'est vraiment pas... C'est vraiment pas mon jour. Mais moi, j'aime plutôt bien. À tester avec une base, parce que là, c'est vrai que là, j'utilise des bases en ce moment qui sont plutôt pas mal. Là, j'ai pas voulu mettre de base pour vraiment voir le fond de teint, vraiment voir vraiment ce qui donne comme ça, quoi. Donc pour le moment, j'aime plutôt bien. Par contre, la prochaine fois, peut-être que je prendrai une teinte plus foncée parce que j'ai l'impression que c'est un peu hyper clair à voir, mais ça match quand même, mais je le trouve quand même assez clair, pardon. Donc voilà pour le fond de teint, si vous voulez la référence. On le met comme ça. Mais de toute façon, on peut le trouver. Je sais que on m'avait dit que tu pourras le trouver à partir du 12 septembre. J'étais le 12 septembre, du coup, à Primark. Et du coup, à Nice, il n'y était absolument pas. Donc, après, j'y étais le matin, donc je ne sais pas. Bon là je mets mon anti-cerne d'habitude hein, que j'aime énormément de chez Primark. Aujourd'hui je vais pas en mettre d'automne parce que j'ai pas envie Mais c'est hallucinant, on va pratiquement plus mes cernes. Ce qui est rare, je peux vous le dire. Mais voilà, j'achète le correcteur orange là, pour
Faut vraiment le faire parce que là, en plus en ce moment, je suis couverte de cernes. Si vous suivez mes vlogs, vous savez. Voilà pour l'instant. Je vais poudrer, je vous reviens, de toute façon, c'est des produits que je vais poudrer, je vais mettre mon bronzer et je vous reviens après parce que c'est des produits que j'utilise depuis un moment et que vous connaissez. Donc, c'est au blush, et c'est un nouveau blush, c'est de la marque Laura Mercier, donc c'est leur nouveau blush. Et Laura Mercier a débarqué chez Sephora il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 15 jours. Et moi je voulais tester la poudre mais elle n'était plus en stock quand j'ai commandé, donc ça on commandera la prochaine fois. J'ai pris les nouveaux blushs, c'est des blush infusion de couleur. Et moi c'est la teinte pêche. Alors là elle parle absolument pas pêche, mais je peux vous assurer que c'est un joli pêche. Donc, je vais prendre un pinceau évidemment. Donc je vais le. Oh, il est beau. Je sais pas si on va avoir quelque chose, mais. Il est très pigmenté, hein. Ça va avoir quelque chose. Mais c'est tout ce que j'aime, c'est le genre de pêche. Bonne mine, franchement. Bon, blush poudreux, mais franchement, il est méga pigmenté. J'aime beaucoup. Je suis désolée, la lumière n'est pas super jolie et ça, mais il ne fait pas beau dehors. Donc. Désolée, je vais essayer d'en remettre un petit peu pour vous, que vous voyez vraiment la couleur. Mais c'est une couleur pêche, hyper jolie. Franchement, les blushs, je les remercie. Par contre, le packaging est assez salissant. Donc, si vous voulez la référence. C'est la teinte pêche. Et ça fait donne comme ça. Méga beau. Ensuite, je vais mettre mon highlighter chouchou. Malheureusement, qu'on ne peut plus retrouver. C'est le BK avec, évidemment, ça là. Que j'aime beaucoup. Je vais prendre le pinceau. Allez, là, toi. Je le nettoie parce qu'il. Il atteint tous les poils à la tête. Ouais, je parle de toi. Donc, je vous montre vite fait, mais. Vous connaissez depuis le temps. Je vais pas en mettre 2 tonnes aujourd'hui parce que. Voilà. Trop beau. Je parais méga blanche. Mais en vrai, c'est pas tant que ça. Tu es beau. Je sais pas si on voit. Mais c'est trop beau. Juste pour les yeux, je vais utiliser l'aphrodisiaque de chez Urban Decay. J'ai déjà un peu mon avis là-dessus. Je vais la réutiliser pour lui donner une deuxième chance, même si voilà, j'ai envie de lui donner une deuxième chance. Parce que c'est pas très joli. Vu le format très pratique. Moi j'avais déjà la Naked petite. C'est vrai que je l'aime beaucoup. Je sais pas, celle-là me dit moins.
Je me suis déjà maquillée une fois avec et c'était pas le top du top, donc voilà, on verra, mais c'est vrai que je suis assez mitigée sur cette palette. Je la trouve un peu moins pigmentée que les autres palettes. Alors est-ce que c'est parce que j'avais mis trop de base à paupières et que du coup ça accrochait trop, mais je trouve que j'ai eu un mal fou à estomper, surtout la couleur la plus foncée qui est celle-là. Donc aujourd'hui je vais pas l'utiliser, je vais vraiment utiliser quelque chose de très simple, très sobre. Très sobre, vous dites à moi. Donc je vais utiliser la teinte Beyond. Celle-là. Donc je vais l'utiliser pour faire un semblant de croque paupière. J'étais en train de chercher mon miroir à Tonana alors. Oui, bien sûr, Héloïse. Oui. Donc pour le moment, ça va à peu près. Il faudra que je me trouve un espèce de crayon un peu boule pour faire vraiment un croque-paupière plus défini et plus défini, parce que j'ai que des gros pinceaux blender. C'est vrai que j'y arrive pas tout le temps et c'est un peu pénible. J'ai l'impression que ça se voit pas. Après, vous me dites. Ensuite, je vais essayer d'utiliser. Est-ce que j'essaie d'utiliser la couleur foncée? Je vais peut-être un chouïa. Elle s'estompe beaucoup mal, j'en mets vraiment un tout petit peu pour dire de intensifier, mais voilà, ça va suffire. Ensuite, je vais utiliser la couleur Addict, qui est une couleur violette. Je vais utiliser celle-là, avec un pinceau plat, en espérant que ça ira. Y a de la poussière sur mon pinceau, faut le faire. C'est pigmenté, mais je la trouve pas ouf. Hein. Franchement, cette palette, j'ai un chouïa déçu. Elle est pigmentée, hein, mais je sais pas, faut que je m'y prenne au moins 3 fois avant d'avoir une couleur qui me plaise. Et encore, je trouve que c'est pas de ouf. Donc, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez testée ou si vous voulez la tester, parce que je sais que j'en connais une qui voulait la tester et je lui ai dit franchement, attends celle de l'autre, la tuerie, parce que celle-là je la trouve vraiment pas ouf. Genre si tu te foires, tu peux absolument pas rectifier. C'est... Je sais pas, je trouve que elle est pas ouf. Mais je voulais quand même lui donner une deuxième chance, mais je sais pas. Je trouve que c'est pas ouf. Hein. Je suis pas hyper fan. Alors c'est peut-être moi. Je vais essayer avec un mousse spray. Kat Von D.
Peut-être que c'est un lieu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'une palette d'urbanité me parle aussi peu en fait. Et pourtant j'ai hâte de la tester et tout. Déjà là, c'est un peu mieux, mais. D'habitude, je mets pas autant de temps pour me maquiller les yeux. Mais dites-moi si vous l'avez testé, parce que peut-être que c'est ma palette, ou peut-être que aussi c'est peut-être moi. Je suis un peu indigente, mais je sais pas. Je suis pas hyper fan de mes yeux. Je sais pas si ça va le. Donc je vais aussi mettre la teinte Night Fever. Que je vais mettre en espèce de. Je sais pas quoi. En mettre en coin lumière. Mais c'est aussi peu. Ouais, okay, c'est que des paillettes. Ouais, d'accord. Mais j'aurais dû rien mettre. J'aurais dû rien mettre. Ouais. Je sais pas si vous en pensez, mais j'aime pas trop cette palette. Je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai quand même payé, quoi. On va passer au mascara. Et pareil, j'ai un nouveau mascara. C'est le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Donc, il a un embout qui se met comme ça. Et la brosse me disait plutôt pas mal. Donc, je vais tester. C'est une brosse en forme comme ça. Donc à voir, c'est moi où l'orage se prépare. Donc je vais tester en forme de comme ça. Là j'ai besoin du. J'ai à peu près. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Je sais pas si on va voir. Par contre, ça me perturbe un peu l'embout comme ça. Je vais essayer comme ça. Parce que ça me perturbe un peu. Par contre, à la deuxième ou troisième couche, ça fait un peu pâte d'araignée. Donc, moi, ça me dérange pas parce que. Bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais il est plutôt pas mal, faut juste pas en mettre 3 tonnes 5 de couche. Par contre j'ai le cils mais hyper sec. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est plutôt pas mal. En ce moment il est en promo chez Leclerc. Plutôt pas mal. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Je sais pas si on voit toute chose, mais bon. Ça a l'air plutôt pas mal. Par contre, il sèche rapidement donc. Si vous voulez travailler, faites vite. Parce que moi, il est pratiquement séchant. Il a déjà séché. Donc, je vais passer au rouge à lèvres. Et en fait, j'hésite. Parce que j'ai des nouveaux Sleep Tees à tester. Mais j'ai les suèdes. Le suède lipstick. Comme ça aussi.
Donc je pense que je vais en tester deux. Je vais tester un suède et un striptease. Par contre, voilà. Je vais faire deux lookups. Ça tombe tout, c'est bizarre. Donc je vais déjà tester le suède. C'est le suède de lipstick. Comme ça. Donc je vais tester, c'est la teinte Moonwalk. Donc c'est une teinte assez spécial, on va dire. Alors moi je suis vraiment pas habituée, je suis habituée au... rouge à lèvres raisin. Ça. Je l'ai mis n'importe comment. Mon Dieu. J'ai honte. Bon, la couleur est hyper jolie. Facile d'application, mais c'est moi qui me suis un peu gourée. Je me suis surtout gourée en bas. Mais j'aime vraiment beaucoup. Ça colle pas du tout. Franchement, c'est hyper, hyper agréable. J'aime beaucoup ce que j'ai. Voilà, alors oui. Couleur a pas un problème, mais ça va plutôt bien avec mon maquillage. Bon, est-ce que je sortirai comme ça sur les lèvres? Je ne sais pas, ça dépend, mais j'aime beaucoup cette couleur. C'est une couleur un peu spéciale, mais j'aime beaucoup. Faut savoir que moi, les sleepies, je ne mets que ça depuis 2 mois. Si vous voulez la teinte, c'est la teinte Negrociator. Donc c'est une couleur assez automnale, assez... Pas totalement passe-partout, mais je pourrais très bien sortir comme ça. Ça me dérangerait pas. Mais j'aime vraiment beaucoup les sleepies. Franchement, si vous voulez tester des espèces de gloss, la calèvre, franchement, testez cela. Parce que maintenant, j'en ai 7. Franchement, je les aime d'amour. C'est vraiment des couleurs que j'aime porter, qui tiennent. Vous pouvez manger, vous pouvez boire. Franchement... c'est des couleurs que j'aime d'amour, que je porte plus que cela. Avec les lingeries, mais les lingeries, c'est plus des couleurs nude. Il y a moins de couleurs un peu peps ou des couleurs un peu violet. C'est plus des couleurs nude, donc ils sont jolis, mais j'aime moins. Donc voilà pour ce make-up. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais peut-être enlever ce bandeau là. J'espère que ça vous aura plu. Alors. Je dirais que mes produits préférés restent le fond de teint. Enfin, j'ai pratiquement tout aimé dans ce que j'ai testé. Franchement, j'ai pas eu de déception ou quoi que ce soit. Oui, mes cheveux ne vont plus. J'ai pas eu de déception. Franchement, j'aime tout ce que j'ai testé. Que ce soit le fond de teint, le blush, le mascara. La palette un peu moins, c'est ce que j'aime le moins. La palette, celle-là. Franchement, si j'avais choisi, je l'aurais vu sur en magasin, je l'aurais peut-être pas acheté. Clairement, je l'aurais peut-être pas acheté parce que cette palette, je la trouve hyper compliquée à travailler. Et je trouve qu'elle est pas... J'avais un poil E. Je la trouve pas hyper pigmentée. Alors, ça peut être bien quand vous commencez à vous maquiller ou quoi. Et encore, parce que je vous dis,
Je la trouve très compliquée à estomper, à vraiment blender, surtout la couleur celle-là. Mais je la trouve pas tellement pigmentée par rapport aux autres que j'ai testées. Est-ce que c'est moi qui ne suis pas hyper douée? Ou alors est-ce que c'est vraiment cette palette? J'en ai pas entendu énormément parler. Faut savoir qu'elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais je sais pas, je n'entends pas énormément parler. Donc est-ce que c'est peut-être pour ça aussi? Je ne sais pas, je sais qu'elle est à 29 € si je dis pas de bêtises. Donc wow, j'ai failli faire un miracle. Donc si sur tout ce que j'ai testé, je dirais que c'est ça que j'aime le moins. Et sur les choses que j'aimais, je dirais que c'est les slipties que j'aime, mais ça c'est depuis un petit moment. Mais c'est vrai que les nouvelles couleurs, j'ai acheté 5 nouvelles couleurs et franchement je les aime vraiment beaucoup. Donc bah voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.